Eh bien, bonjour à tous et merci de défier les températures polaires persistantes de cet amphithéâtre pour parler aujourd'hui de l'Amazonie. Alors, depuis l'arrivée de Jair Bolsonaro en janvier 2019, une éternité, diront beaucoup, la situation de l'Amazonie soumise à une déforestation continue et accélérée inquiète, voire panique, les défenseurs de l'environnement qui n'ont de cesse de tirer la sonnette d'alarme quant à cette hécatombe environnementale. Cette déforestation aurait encore augmenté de près de 22% entre août 2020 et juillet 2021, selon des données de l'Institut spatial brésilien, un institut d'ailleurs mis à l'index par le président Bolsonaro, qui n'a eu de cesse de détricoter les législations de protection de l'environnement depuis son arrivée à la tête du pays. Et dans cette tâche, le président brésilien s'était d'ailleurs adjoint à un ministre, Ricardo Salles, premier ministre de l'environnement, accusé d'ailleurs de crimes environnementaux. Pendant 2 ans et demi, celui-ci aura méthodiquement sapé les mécanismes de protection des forêts en réduisant les financements alloués aux agences de protection de l'environnement et en écartant leurs chefs respectifs. Il avait même été enregistré le 22 avril 2020 lors d'une réunion où on l'entendait suggérer au gouvernement de profiter de l'attention médiatique internationale tournée vers la pandémie de Covid-19 pour modifier les règlements en simplifiant les normes environnementales. Alors, pour parler de ce sujet et faire le point sur cette question, nous avons le plaisir de recevoir Catherine Aubertin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, bonjour. Alors, Madame Aubertin, vous êtes économiste de l'environnement, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, affectée au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Vous avez publié plusieurs ouvrages, dont un très récemment, La nature en partage. Alors, pour introduire la discussion, on va parler de tous ces périls, évidemment, qui pèsent sur l'Amazonie. Je propose qu'on revienne un peu sur ce que c'est exactement que cette immense forêt, sa taille, son histoire, ses spécificités, si vous le voulez bien. Oui. Alors, l'Amazonie, vous avez une carte au-dessus, voilà, de moi. Là, vous voyez, c'est l'Amazonie brésilienne. Évidemment, on ne représente pas l'Amazonie dans tout son comme massif forestier qui s'étend sur 9 pays et territoires. Là, on voit peut-être pas très bien. Vous avez, si on tourne dans le sens inverse des aiguilles du monde, vous avez les 3 petites Guyanes, donc la Guyane française, la Guyane hollandaise, le Suriname, la Guyane anglaise, le Guyana. Si on continue à tourner, on a la Colombie, la Bolivie, le Pérou, l'Équateur, la Colombie, le Venezuela. Tous ces pays donc ont une partie de forêt tropicale amazonienne. Le Brésil, on en parle surtout parce qu'il donc lui tout seul couvre les 2/3 de cette forêt. Pour vous donner une idée, ça fait 4 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire c'est 8 fois la France. C'est quelque chose d'effectivement très très important. Ça représente 10%. Ce bloc amazonien représente 10% des terres immergées. Et actuellement, la discussion porte sur la destruction des forêts tropicales en termes d'émissions mondiales de CO2. Ça représente, les mises à feu dans ces forêts représentent 8% des émissions mondiales de CO2. Et alors, ce qu'on oublie parfois, c'est que cette région, elle est extrêmement importante aussi au niveau mondial pour ses ressources en eau. Je crois que c'est un cinquième des ressources d'eau douce que concentre la région amazonienne. Oui, la forêt amazonienne, donc, il y a tout le bassin amazonien qui est important. Mais si on va simplement à l'échelle du Brésil, on s'aperçoit que les sources d'eau se situent surtout dans le Cerrado. Le Cerrado, vous voyez sur la carte, c'est ce qui apparaît. On va dire une sorte de mauve. Le Cerrado, ce sont les grandes savanes centrales du Brésil qui représentent la moitié de l'Amazonie brésilienne, c'est-à-dire quand même 2 millions de kilomètres carrés, et qui est considéré comme le château d'eau du Brésil, puisque de là partent trois grands bassins hydrographiques sur le Paraná, le San Francisco et le Tocantins, Araguaia. Alors, Madame Aubertin, vous êtes rendue d'innombrables reprises sur place dans la zone amazonienne. On a souvent tendance à présenter ça comme l'enfer vert. À quoi est-ce que ça ressemble exactement l'Amazonie quand on se rend sur place ?
Sur place, qu'on est vraiment en forêt, on voit surtout beaucoup d'eau, curieusement. C'est une forêt qui, dont les voies d'accès ont longtemps été réduites à la remontée ou à la descente des fleuves. Ce n'est que très récemment que l'Amazonie, disons des routes, donc avec toutes ces routes qui ont été construites essentiellement avec l'arrivée des militaires au pouvoir en 1961, donc toutes ces routes qui traversent l'Amazonie a rencontré l'Amazonie des fleuves. Il y a vraiment eu un choc, disons, culturel et environnemental, bien sûr. Et autre élément important pour caractériser l'Amazonie, c'est évidemment l'importance en matière de biodiversité. Je crois que j'ai vu les chiffres, c'est de 15 à 20% des espèces mondiales qui sont localisées dans, là aussi, alors, dans cette région. C'est très difficile de définir ce qu'est la biodiversité. Et en termes d'espèces, c'est également difficile, puisqu'on ne connaît pas les milliards et les milliards de bactéries, par exemple, qui sont des êtres vivants et qui font et qui participent au grand cycle du carbone et à d'autres cycles aussi, bien sûr, qui travaillent dans les terres amazoniennes. Quand on parle de la biodiversité amazonienne, on parle essentiellement des arbres, de la végétation. Un hectare de forêt amazonienne doit compter plus de 100 espèces différentes, par exemple. C'est plutôt la diversité des arbres, des forêts que l'on peut observer. Et un mot sur la population aussi, on va y revenir, il y a des mobilisations de la population autochtone. Comment la caractériser? Est-ce qu'elle est moins importante qu'elle n'était, par exemple, au début de la colonisation? Bien sûr, la colonisation a été assez catastrophique pour ces populations qui ont été reportées toujours plus à l'ouest du territoire. Actuellement, les populations amérindiennes au Brésil représentent, disons, 2 millions, on ne sait pas très bien, entre 2 et 10 millions de la population. Mais ce qui est important à retenir, c'est que la plupart ne se trouvent pas en forêt amazonienne. La population amérindienne existe également dans les cerrades. Et elles ont des conditions de vie bien plus difficiles qu'en Amazonie, parce qu'en Amazonie, 25% de l'Amazonie est classée en territoire indigène et qui n'abrite que la moitié de la population amérindienne. L'autre moitié de la population amérindienne brésilienne est... et vit dans le Cerrado et dans des conditions beaucoup plus difficiles. Alors, vous parliez du territoire indigène. Est-ce que, justement, il y a un statut spécifique, juridique, de cette région amazonienne, en tout cas pour le Brésil? Régulièrement, il y a des demandes d'internationalisation de l'Amazonie. Il y a l'histoire de Theodore Roosevelt, vous savez, le président des États-Unis, a visité l'Amazonie. Il a été séduit et il proposait, c'est tellement beau, il faut vraiment internationaliser, ça ne peut pas appartenir qu'à des pays. Bon, bien sûr, ça, c'est une vision coloniale qui est absolument insupportable actuellement, bien qu'elle régulièrement, elle revienne dans la bouche de politiques ou d'ONG qui disent qu'effectivement, il faut la protéger, bien sûr, mais sans doute, là, plutôt que de créer une instance internationale qui serait difficilement légitime, il serait plutôt intéressant de donner des droits aux populations qui la peuplent, en particulier aux populations amérindiennes qui ont pris soin de cette forêt depuis des millénaires. Et là, on en est très loin. On en est loin. On va parler des feux de forêt, notamment qui ravagent la forêt amazonienne. Est-ce qu'on sait exactement ce qui s'y passe? Est-ce que c'est très documenté au jour le jour? De plus en plus, on sait ce qui s'y passe, car il y a des satellites qui tournent régulièrement au-dessus de la forêt. Vous avez évoqué l'INPI, c'est l'Institut National de Recherche Spatiale du Brésil, qui depuis 1988, au jour le jour, tourne donc et peut donner des statistiques. J'ai une carte, je vais vous montrer. Voilà, par exemple, la déforestation en Amazonie légale annuelle, vous voyez, depuis 88, vous avez en kilomètres carrés, donc c'est extrêmement bien documenté. Donc il y a le satellite qui s'appelle le PRODES, c'est un système qui fonctionne depuis 1988. On a des statistiques très précises. Et un autre système, on y verra tout à l'heure, le DETER, qui lui, au jour le jour, va essayer de détecter les feux.
un système de détection de feu. Donc, ce qui veut dire qu'on sait vraiment où ont lieu ces feux, et par la suite, bien sûr, ces déforestations, bien qu'il faudra qu'on discute du feu et déforestation, ce n'est pas parce qu'il y a feu qu'il y a par la suite déforestation. On va essayer de s'entendre sur les termes. Ce qui est important à retenir, c'est que depuis une petite dizaine d'années, il y a des programmes de réforme du code forestier brésilien qui fait que pour avoir accès à des crédits à la banque, pour être reconnu, les propriétaires ruraux déposent les limites de leur propriété pour les faire enregistrer. Tout ça, et bien sûr, est géoréférencé. C'est-à-dire qu'actuellement, le moindre feu en Amazonie, on pourrait dire sur quelle parcelle titularisée, qui a un titre de propriété, on pourrait savoir tout de suite d'où vient ce feu. Or, bien qu'on le sache, sur 75 000 alertes, je crois que c'était un chiffre comme ça, sur 75 000 alertes en 2020, voilà, seulement 2% de ces alertes ont fait l'objet d'une amende ou d'un embargo par les services de sécurité, enfin les organes officiels de contrôle et de fiscalisation environnementale. Parce que effectivement, Jair Bolsonaro n'a eu de cesse de désarmer le bras armé, on va dire, de la police environnementale brésilienne, l'IBAMA, en coupant les têtes, en coupant les budgets. Et dernièrement, même, il y a même un projet de loi qui vise à les désarmer, c'est-à-dire à ne pas leur permettre de porter des armes. Alors, devant un fazendeiro, c'est un peu délicat. Et les amendes qui sont en chute libre depuis l'arrivée de Jair Bolsonaro, je crois que maintenant, ça doit être à 20% de ce qu'elles étaient auparavant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de répression. Mais on a les outils. Ce qui est important de voir, c'est qu'on a les outils vraiment techniques, cartographiques, très précis pour pouvoir retrouver les responsables des dégradations de l'environnement. Le problème, ce n'est pas du tout la technique. Le problème, c'est vraiment une volonté politique. Alors, sur votre graphique, on le voit, c'est les déforestations légales. Il y a aussi les déforestations illégales. C'est quoi la proportion entre les deux ? Alors, sur le graphique, c'est ce que enregistre le PRODES. Hein. Donc, c'est-à-dire que ce qui est enregistré, c'est la coupe rase, hein, la coupe à blanc. C'est-à-dire que là, on ne va pas enregistrer le petit paysan qui va mettre le feu à sa parcelle pour dans un circuit de défriche brûlis. Hein. Là, c'est vraiment les coupes à blanc. Et vous voyez qu'elles sont extrêmement importantes, les pics ayant eu lieu en 1995 et en 2003-2004. Retenez 2004 parce que ça va être une date de référence que le Brésil va prendre pour calculer ses efforts de baisse d'émissions, bien sûr. Hein, on va prendre la référence 2004-2005. Voilà, donc il va y avoir cette référence qui va être prise. Donc effectivement, vous voyez sur le graphique qu'entre 2004 et 2014, la chute a été de 80%. Hein. De 80% de déforestation. Et depuis 2014, c'est en train de remonter. Et depuis l'arrivée de Bolsonaro, ça monte de façon assez impressionnante quand même. Et pour donner un exemple précis dans ce que j'ai lu pour préparer cette discussion, l'année dernière, de d'août 2020 à juillet 2021, c'est 13 000 km² qui ont disparu. C'est l'équivalent de la surface du Liban. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Ce qu'il faut voir aussi dans les statistiques, faites très attention, le PRODES, c'est vraiment, donne des statistiques consolidées. C'est-à-dire qu'on les a 6 mois après. Alors ça, elle prend donc en compte de fin août, de juillet à août de l'année, c'est-à-dire du 1er août à fin juillet de l'année suivante. Donc c'est décalé. Hein. Donc quand on vous parle de 2021, c'est les statistiques de juillet 2020 à août 2021. Voilà. Donc il y a ce décalage, et il y a ces 6 mois de décalage qui sont données consolidées, et c'est toujours une discussion importante. Généralement, les chiffres qu'on trouve sont inférieurs aux prévisions qui sont données par les journalistes et les ONG, qui se basent sur les alertes des feux. Alors les feux, c'est
Voilà, je ne sais pas si c'est très très lisible. Donc l'autre système de l'INPI, donc l'Institut National de Recherche Spatiale, c'est le système d'Ether. Lui, au jour le jour, enregistre les incendies qui sont vus. Mais alors attention, donc j'avais commencé à le dire, un incendie, c'est pas forcément une déforestation. Il faut avoir en tête que le feu fait partie, c'est un outil de l'agriculture tropicale. C'est-à-dire que ce qu'on on brûler des parcelles déforestées, c'est le moyen le moins cher pour préparer des parcelles pour des plantations, des produits ouvriers, mais aussi du pâturage pour combattre les mauvaises herbes, utiliser l'engrais des cendres, etc. Donc c'est un outil de l'agriculture tropicale. C'est la base de la défriche brûlée traditionnelle qui est utilisée par les Amérindiens, par exemple. Ça permet l'ouverture de champs, mais aussi l'entretien. Donc la défriche brûlée, c'est quelque chose d'important au Brésil, mais ça ne dépasse pas 3 hectares, et puis il y a une sorte de rotation sur une vingtaine d'années. Ce genre de feu de défriche brûlée, c'est ce qu'on observe beaucoup dans toutes les agricultures tropicales du monde, en particulier en Afrique. Et puis il y a les parcelles de colonisation, c'est-à-dire la réforme agraire au Brésil a constitué à installer des paysans sur des parcelles de front de colonisation. Au départ, on leur donnait 100 hectares en leur disant « débrouillez-vous ». Et maintenant, c'est beaucoup plus modeste. Ils ont de l'ordre de 20 hectares. Donc, il faut ouvrir un champ sans rotation. Donc là, effectivement, il faut couper. Et généralement, les agriculteurs qui sont installés sont aidés par des entreprises forestières qui vont récupérer les bois les plus intéressants et les aider à accélérer la mise en champ et la déforestation. Bon, mais actuellement, la déforestation qu'on observe ces dernières années au Brésil, ce n'est pas une déforestation due à la défriche brûlée ou à l'installation de colons agricoles, mais c'est bien, ou même de grandes entreprises qui s'installent, ou de fazendeiros qui voudraient agrandir leur propriété, mais c'est vraiment des entreprises de mafia, c'est lié vraiment au conflit de terres et les spéculations sur les marchés de terres. C'est-à-dire que les endroits qui sont les plus mis à feu se trouvent dans les terres publiques, c'est-à-dire des terres qui ne sont pas appropriées, ou alors dans des réserves indigènes ou dans des unités de conservation. Alors j'ai un petit dessin comme ça, vous voyez, le grillage. Je peux faire une petite parenthèse sur le grillage. Grillage, grileiro, c'est le grillon. C'est une vieille histoire au Brésil. Alors au Brésil, le cadastre n'est pas du tout vraiment établi, au point qu'on arrive à des choses tout à fait intéressantes, c'est-à-dire que quand il s'est agi de déclarer les terres, donc dans le cadre du code forestier, les propriétaires ruraux de l'État du Pará ont déclaré l'équivalent de la surface du Brésil. Vous voyez, le jeu de superposition. Donc il y a cette déclaration où on s'accapare un maximum de terres. Et il y a un trafic de titres de propriété qui se font auprès de cartorio, des genres de notaires. Et pour vieillir les titres de propriété, on met des grillons sur les papiers. Enfin, c'est la petite histoire anecdotique. On mettait des grillons pour faire paraître ces titres beaucoup plus anciens. Donc, on appelle ça au Brésil le grillage. Et actuellement, donc, cette carte vous montre que 30% des forêts publiques sont couvertes par des revendications de propriété. Voyez, donc les forêts publiques représentent 52 millions, vous voyez, 52 millions d'hectares. Et en fait, le CAR, c'est ce certificat qui est donné à partir du moment où vous faites votre déclaration, vous dites cette parcelle est à moi, je la délimite et je montre quelles sont les aires que je n'ai pas le droit de défricher. Et là, vous voyez, il y a 30% qui sont, c'est ce qu'on voit en rouge, là, il y a 14-15 millions de ces terres qui ont été couvertes dans les qui ont été déforestées. Alors ça, c'est important, ça veut dire là, on est sûr que c'est illégal. Oui. Et ça, maintenant, on peut le dire. Grâce à la technique, maintenant, c'est possible. Et ça, c'est de plus en plus fort, parce que justement, avec l'évolution de ce CAR, donc c'est le certificat d'installation rurale, vous voyez, le A, c'est ambiental, en fait. C'est un certificat environnemental rural, du registre. C'est-à-dire que vous avez enregistré votre propriété dans ce cadastre environnemental.
C'est pas un vrai cadastre, c'est un cadastre. Enfin, quoi qu'il en soit, ce cadastre environnemental rural est un indice de grillage, parce qu'on voit très bien qu'au fur et à mesure que ce CAR donc, a été déposé et enregistré, de plus en plus de certificats, eh bien, on voit que c'est là où il y a le plus de déforestation. Vous voyez, donc ça monte, et on voit vraiment les grandes propriétés qui sont importantes. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que maintenant, on peut vraiment, avec beaucoup de précision, déterminer d'où viennent les feux, d'où, et vérifier sur place si ces feux correspondent à de la spéculation foncière ou juste à une petite ouverture de champ. Voilà. Alors, je me rappelle, on vous avait invité pour une précédente conférence il y a 3 ans et vous n'aviez pas utilisé ce mot de mafia. Non, parce que c'était quelque chose de vraiment nouveau qu'on a découvert, là, qu'on avait dû se voir, c'était il y a 2 ans, effectivement, mais on n'avait pas encore l'accès à ces cadastres et on n'avait pas mis en évidence non plus cette spéculation de terre. Les grands fazendeiros, les grands qui plantent du soja, qui ont des grandes fazendas, ils ne s'amusent pas à les... vraiment, ou alors ils ont des prête-noms, bien sûr, mais ils ne s'amusent pas vraiment à... Ils n'ont pas besoin, ils ont les techniques pour augmenter leur productivité. Il faut savoir que l'élevage est très important au Brésil. C'est important. Il y a autant de bœufs que de Brésiliens. Hein. Ils doivent être à plus de 200 millions de têtes de bétail et 200 millions de Brésiliens. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, mais c'est très peu productif. On calcule qu'il doit y avoir une vache à l'hectare et les laitières doivent donner 1 litre de lait par jour. Vous voyez, donc il y a vraiment de la marge pour intensifier et les grands propriétaires, ils intensifient. Ils ne s'amusent pas sur les marchés internationaux à se mettre dans une situation d'illégalité. Donc ce qu'on voit, c'est vraiment des mafias qui organisent des trafics de terre dans les espaces qui ne sont pas encore appropriés. Et on peine à comprendre, je décrivais dans la petite introduction, cette volonté presque délibérée, systématique du pouvoir en place de détricoter la législation pour protéger cette forêt. Comment est-ce que vous l'expliquez ? C'est uniquement motivé par la volonté de faire des gains à court terme ? C'est de l'idéologie ? C'est pas vraiment du gain à tout. C'est une vision, c'est-à-dire que il est vrai que c'est en forêt amazonienne qu'il y a le plus de populations pauvres. Et le président Bolsonaro, comme le ministre de l'Industrie d'ailleurs, ont vite fait la parallèle forêt égale pauvreté. C'est-à-dire si on n'exploite pas la forêt, c'est de la pauvreté. Donc l'idée, c'est bien de mettre en valeur toute la forêt. Il faut voir que le Brésil est un pays pionnier. Donc toute la conquête de l'Amazonie, du Brésil, s'est faite en déplaçant, vous savez, c'était la ligne de Tordesillas qui coupait l'Amérique latine, la partie pour les Portugais, la partie pour les Espagnols. Donc les Portugais, ils l'ont poussé à l'ouest. Et cette frontière, il a fallu la gagner contre la forêt et contre les Amérindiens. Hein. Donc la notion de forêt, c'est pas du tout... Chez nous, on a les Amazones, on voit les Amazones. Il n'y a jamais eu d'Amazone en Amazonie, bien sûr. Elles venaient de Grèce, je vois pas très bien... Pourquoi elles auraient été là-bas ? Enfin, donc il y a vraiment ce romantisme que nous avons n'est absolument pas partagé. Et la forêt, effectivement, s'oppose au développement économique. De toute façon, il ne reconnaît pas les destructions de la forêt. Il a encore dit très récemment, en parlant de l'Amazonie, bien sûr, là-bas, plus de 90% du territoire est préservé. Il n'a pas changé depuis qu'il a été découvert en l'an 1500. En fait, est-ce qu'on peut dire ça ? Enfin, au point de vue surface forestière, c'est vrai que pour l'instant, l'Amazonie se tient assez bien. Il n'y a que 17-18% du biome qui est pour l'instant déforesté. Si on compare ça au Cerrado, là, je vous ai dit que j'aimais beaucoup le Cerrado, si on compare ça au Cerrado, le Cerrado, il est déforesté à plus de 50%. Et l'écosystème de savane est un écosystème tout aussi riche que l'Amazonie. Mais ça ne fait pas rêver, il n'y a pas de grands arbres. Au contraire, là, ce qui se passe, ce sont les racines.
La captation de CO2 ne se fait pas avec des feuilles, avec des arbres de 30 mètres de haut, mais se fait par des racines extrêmement profondes, se fait autrement, se s'organise autrement. Il n'y a pas la population indigène a avec des vieux t-shirts sur des tracteurs et non pas des plumes comme en Amazonie. Vous voyez, il y a aussi tout un jeu de représentation, des fantasmes occidentaux qui font qu'on regarde vraiment beaucoup l'Amazonie et pas tellement le reste du Brésil. La région la plus riche du Brésil, c'est la région de Saint-Paul et de Rio, la Mata Atlantica, qui a été déforestée à plus de 80%. Vous voyez, donc il y a cette équation, plus de forêt, plus de pauvreté. Donc l'idée de Bolsonaro, c'est d'ouvrir la forêt à toute convoitise. Et les convoitises, je vous ai dit que ce n'était pas franchement les grands fazendeiros, hein. C'est plutôt les chercheurs d'or, c'est plutôt les recherches pétrolières. Et c'est là où elle a changé depuis 1500, ce sont ces grandes routes de pénétration. D'ailleurs, on voit à peu près le problème. Donc c'est en rouge, hein, vous avez les alertes de feu. On voit bien où se situent les axes de déforestation, c'est le long des fleuves, mais ça c'est traditionnel, mais le long des routes. Et alors ce qui est grave actuellement, c'est jusqu'à présent les routes étaient au sud du massif forestier et maintenant elles vont couper les massifs forestiers de nord au sud. Et ça c'est beaucoup plus grave parce que le socle, l'homogénéité de la forêt risque de disparaître par un jeu de fragmentation. Et donc, on peut être assez inquiet de ce côté-là, effectivement. Et les projets continuent, des grands projets d'oléoducs, des projets de routes, évidemment, des transamazoniennes et des goudronnages de routes de pénétration. Et en particulier, quelque chose d'intéressant, c'est maintenant, c'est évacuer. Donc, le soja n'est pas cultivé en Amazonie, le soja est cultivé dans ces plaines de Cerrado. Hein. Et pour évacuer ce soja, jusqu'à présent, on allait, c'est dommage, je ne peux pas vous montrer, on allait donc au port de Sao Paulo, donc dans le sud, et ça partait en Chine. Bon, dorénavant, il y a des routes qui sont faites pour que ce soja puisse s'exporter à partir du port de Santarém ou d'Amapá pour aller directement en Chine. Et là, on gagne une semaine. Mais pour faire ça, il faut ouvrir des routes donc pour évacuer le soja. Voyez. Et alors l'ouverture d'une route, ça veut dire que bien sûr il y a des populations qui vont venir et qui vont occuper les terres alentour. Alors l'Amazonie est devenue un vrai sujet au niveau international. Il y a beaucoup de pression, de mobilisation. Est-ce que à l'intérieur des frontières du Brésil, il y a aussi une mobilisation certaine de la société civile, par exemple? Comme je vous le disais, le Brésil, c'est très très grand. Et quelqu'un de Sao Paulo ne s'intéresse pas tellement à la forêt en elle-même. C'est vraiment culturel. La forêt, c'est le contraire donc du développement. Il faut beaucoup de romantisme pour conserver la forêt. Mais les scientifiques brésiliens, les ethnobotanistes, les associations de soutien de défense des Amérindiens, évidemment, s'organisent pour défendre la forêt, bien sûr. Les luttes les plus connues sont celles, les plus anciennes, sont celles, par exemple, autour de Chico Mendes, c'était donc les cueilleurs de caoutchouc qui travaillaient. Qui faisaient leur récolte. Donc, alors eux, c'était l'Amazonie des fleuves. Hein. Il fallait aller chercher le caoutchouc par le fleuve. Quand ils ont rencontré l'Amazonie des routes, donc avec la déforestation, ils se sont unis. Et là, il y a eu l'alliance des peuples de la forêt entre les Amérindiens toute cette population qui vivait des produits de la forêt, donc du caoutchouc, de la noix du Pará, etc., de tous ces produits. Donc ça, c'était à la fin des années 80, donc avant Rio 92, donc le sommet de la Terre qui s'est tenu à Rio de Janeiro en 1992, et donc a été signé les deux grandes conventions d'environnement que sont la Convention climat et la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques et la Convention sur la diversité biologique. Donc toutes ces agitations environnementales se trouvent à la fin des années 80. Et les défenseurs de l'environnement, ils mettent beaucoup d'espoir dans le retour de l'ancien président Lula. Vous êtes beaucoup plus nuancé là-dessus. Hein.
Oui, moi je suis nuancée par la personnalité de Lula, mais au point de vue, alors est-ce que je l'ai là, au point de vue réussite, si, il faut quand même remarquer le succès donc des interventions de Lula de 2004 à 2014. Alors pourquoi cette chute de la déforestation ? Eh bien parce que le gouvernement a vraiment déclenché tout un système, a mis en place tous ces outils, on va appeler ça des outils régaliens, hein, c'est-à-dire en gros c'est la carotte et le bâton, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu un grand plan, alors, je vais vous les citer parce que après je vous citerai ce qu'a fait Bolsonaro et vous allez voir qu'il a tout mis par terre. Donc, il a créé le plan pour la préservation de l'Amazonie brésilienne. Qui a été fait. Ce qui était intéressant de ce plan, c'était un plan qui a réuni à la fois les gouverneurs des États. Oui, une grande chose au Brésil. Le Brésil est une fédération d'États. Hein. Il y a l'État fédéral et les États fédérés. Donc, il a réuni tous les gouverneurs des États fédérés. Il a réuni les divers ministères, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Recherche. En fait, tous les ministères ont été mobilisés. Et donc, ce grand plan a vraiment donné des résultats intéressant. Il y a eu parallèlement, il y a eu le développement des outils de surveillance. Donc, on a vu que le PRODES de l'INPI existait depuis 88, mais le DETER a été créé. Le DETER, donc, qui était pour intervenir, qui tous les jours regarde s'il y a des feux, est intervenu dès 2004. Donc, il y avait ça a été tout à fait organisé. Là, il y a eu la création d'aires protégées. Là, il y a eu la loi SNUC. Le système national des unités de conservation, avec une création d'énormément d'aires protégées avec différents statuts, soit des aires protégées strictes d'interdiction ou des aires protégées de développement durable où on pouvait, comme les cueilleurs de caoutchouc, les seringueiros pouvaient travailler par exemple et exploiter la forêt de façon durable. Il y a eu la création de terres indigènes aussi, la législation des terres indigènes, une législation sur les quilombos. Les quilombos, ce sont ces territoires qui sont donnés aux afro-descendants, c'est-à-dire aux quilombolas, qui sont en France, on dirait, ce sont les bouchinagués, donc les noirs marrons rentrés en marronnage pour fuir l'esclavage et les plantations. Donc il y a eu beaucoup d'efforts. Par exemple, en l'Amazonie brésilienne, telle que vous la voyez plus d'ailleurs, il y a environ 25% d'air. Elle est extrêmement protégée sur le papier. Donc il y a 25% de territoires indigènes, environ 25% d'unités de conservation. Et pour les propriétés privées, d'après le code forestier, elles n'ont pas le droit de mettre en valeur plus de 20% de leur surface. C'est-à-dire que 80% des surfaces doivent rester en végétation native. Ça, c'est important. Ce qui n'est pas le cas dans le Cerrado. Dans le Cerrado, doivent rester en végétation native, c'est le contraire. 80% peuvent être exploités et 20% en végétation native. Voilà. Je ne sais pas si on reviendra sur le Cerrado. Allez-y, hein, si vous voulez dire un. Oui, alors moi j'ai un faible pour le Cerrado, donc c'est sa vanne centrale, et je voudrais vous montrer quelque chose. Voilà. Les feux par biome. Quand on parle de la déforestation, donc on voit surtout l'Amazonie. Et c'est vrai que la déforestation actuellement au Brésil est, disons, à 60% ces derniers temps en Amazonie. Mais regardez les feux par biome. Vous voyez qu'effectivement l'Amazonie, mais c'est aussi la plus grande surface, hein, donc 41%. Vous avez le Cerrado, 34%, alors qu'il est deux fois plus petit. Hein. Et puis vous avez la Mata Atlântica, donc c'est la forêt qui longe la côte, Caatinga, le Pantanal qui a beaucoup brûlé. Alors c'est extraordinaire parce que le Pantanal est une toute petite région marécageuse. Bah, elle a quand même trouvé le moyen de brûler. Voilà, donc ça a été extrêmement important. Alors, c'est toujours la déforestation en Amazonie illégale. Vous voyez donc 2008, donc cette baisse qui a lieu jusqu'en 2014. Et ça remonte maintenant. Mais si vous regardez, vous voyez, là, on est à 13 000 km² en 2008. Mais si vous regardez ce qui se passe dans le Cerrado,
vous voyez que dans les mêmes époques, hein, 2001-2003, on est à 30 000 km². C'est-à-dire que le Cerrà, deux fois plus petit, était beaucoup plus déforesté, était deux fois plus déforesté pendant 10 ans qu'en Amazonie. Bon. Mais l'œil occidental ne voit que l'Amazonie. Voilà, donc j'essaie de défendre mon Cerrà. Alors, l'œil occidental, souvent, il conçoit l'Amazonie comme le poumon vert. Hein, c'est une expression, je sais que ça va vous faire bondir. Le poumon vert de la planète, un poumon vert qui a notamment un rôle dans le réchauffement climatique, censé capter, hein, bien sûr, une partie du CO2. Alors, il y a des informations qui sont sorties récemment, des scientifiques qui ont établi que l'Amazonie ne jouait plus du tout ce rôle. Quelles conséquences et comment l'expliquer? Parce que pendant très longtemps, on a vu donc l'Amazonie comme un stock de carbone, ce qu'elle est. Hein, les arbres sont constitués, les arbres. N'oublions pas non plus que les racines, le tronc, les feuilles, les vers de terre captent du carbone. 50% donc de 50%. Donc, l'Amazonie donc absorbe par photosynthèse du CO2 et rejette avec de l'oxygène, fait des sucres, etc. C'est toute l'histoire de la photosynthèse. Mais ça, c'est des flux. On parle de stock. Quand on parle de stock, c'est effectivement ce qu'il y a dans les arbres et dans le sol. Là, je retrouve mon idée. Donc, il y a les stocks d'un côté. Si on met le feu, ce stock de carbone va partir sous forme de CO2 dans l'atmosphère. OK. Mais pour compenser les émissions de CO2 de notre société industrielle, il faudrait capter du carbone. Or, là, on est en termes de flux. Et là, la forêt amazonienne, c'est une vieille forêt. Bon, à l'échelle humaine, c'est une vieille forêt. Elle n'est plus tellement capable d'absorber de carbone. Il y a beaucoup d'eau, donc il y a beaucoup de méthane. Et avec les feux répétés, avec le changement climatique, elle n'est plus capable de jouer son rôle de puits de carbone. Hein, donc, vous voyez le stock, les flux. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Alors, ça faisait déjà un certain temps qu'on tirait des sonnettes d'alarme en disant « arrêtez de parler de poumon de la planète ». D'ailleurs, le président Macron ne s'y est pas trompé, qui a dit que l'Amazonie était un poumon de la planète pas plus tard que janvier dernier, au sommet One Planet Summit. Et c'est pas pour ça qu'il faut conserver l'Amazonie, parce qu'il y a vraiment là aussi, c'est un œil. Alors là, l'œil occidental, il est obsédé par l'émission de gaz à effet de serre et par la convention climat. Moi, je défends la convention biodiversité. Hein, chacun fait ce truc. Donc, on essaye de voir la forêt comme étant essentiellement une infrastructure naturelle pour capter des gaz à effet de serre, pour compenser les émissions du monde industriel. Ça, c'est vraiment très restrictif. Donc, alors, d'abord, premièrement, ce n'est plus vrai. Si ça l'a jamais été, je pense que ça ne l'est plus depuis au moins une vingtaine d'années. Et la forêt amazonienne, c'est bien d'autres choses. Hein. C'est effectivement, on en a parlé un peu de la biodiversité, mais c'est surtout le recyclage de l'eau, hein, par l'évapotranspiration. C'est-à-dire que la forêt amazonienne, elle émet la vapeur d'eau qui s'étend par c'est vraiment des fleuves volants qui vont se déverser en pluie dans tout le sud, dans tout le sud de l'Amérique latine. Et ça, c'est là, ce cycle de pluie actuellement, il est vraiment très perturbé. Il y a beaucoup moins de pluie. Il y a des problèmes. Alors, ajouté au changement climatique, la sécheresse, il y a beaucoup moins de pluie et la saison des pluies est beaucoup plus tardive. Donc là, il y a vraiment un rôle recyclage des pluies qui est en train d'être perdu. Parlant aussi, c'est aussi le lieu d'habitation, bien sûr, de nombreuses populations qui ont su vivre avec l'environnement sans le détruire, donc qui ont beaucoup à nous apprendre. La forêt amazonienne, c'est aussi toute une histoire. Mais je pense qu'aussi chaque biome, chaque écosystème a ce rôle. Bon, en tout cas, on ne parle plus de poumons verts de la planète pour parler de l'Amazonie, s'il vous plaît. Et alors, voilà. Il y a une autre publication scientifique récente qui a fait état qu'au-delà d'un seuil, 15-20% de destruction de l'Amazonie, il y aurait une savanisation. Ah oui, alors on constaterait une savanisation de. Alors là, il y a deux choses. Il y a deux choses. Donc, vous avez vu. Je me répète, moi j'aime beaucoup le Cerrà, donc j'aime beaucoup les savanes, et je considère que les savanes sont des écosystèmes très riches et autrement plus en danger que l'Amazonie. Bon, donc quand on dit de savanisation, ce ne sera même pas vrai.
même pas vrai. C'est-à-dire que la forêt amazonienne, elle va perdre ses capacités, justement, tous les services écosystémiques qu'elle rendait, donc pour l'eau, pour la biodiversité, elle va perdre ces services-là, mais elle ne sera pas remplacée par un écosystème riche de savane. Elle va être perdue, ça va être un nouvel écosystème dégradé, on va appeler ça un écosystème dégradé. Mais je trouve que c'est malheureux de parler de savanisation parce que c'est une mauvaise, je pense que c'est une mauvaise image. Alors, le tipping point, alors c'est le point de bascule. Ça, c'est quelque chose qui est... Je pense qu'il faut l'utiliser comme une arme de communication. Hein. C'est le point de bascule. De toute façon, le point de bascule, il me semble qu'on y est déjà. Si vous voyez le dernier rapport du GIEC, le rapport du GIEC qui est sorti en août de cette année, déjà on est dans des phénomènes qui sont irréversibles à l'échelle du siècle, voire du millénaire, hein, qui sont les océans, la montée de la mer, les glaciers, c'est-à-dire les glaciers qui sont en train de disparaître dans les Alpes, eh bien, on ne les aura pas avant 200 ou 300 ans, si jamais tout s'arrange. Vous voyez. Donc il y a des choses qui sont devenues irréversibles. Et ça, on l'observe déjà. Et en forêt amazonienne, on observe déjà des tâches où on n'arrivera pas à... Des tâches qu'on n'arrivera pas à... Vous voyez, là, dans le sud, dans la zone comme ça, de frontière avec le Cerrado, ce sont des régions qu'on... Je vois mal comment elles pourraient revenir à l'état de forêt originelle. Bon, il y a une régénération naturelle qui va se faire, hein. Ça va repousser, mais là, on est à des échelles d'une trentaine d'années si on veut récupérer en termes de forêt visuelle et puis pour le bois, mais en termes de recréation de la biodiversité, ça va être beaucoup, beaucoup plus long. Et ce que vous nous dites aussi, ce qui est en filigrane de votre démonstration, c'est que tout va ensemble, la biodiversité, le réchauffement climatique. Absolument. Ce qui est important de voir d'ailleurs, c'est que la COP 26 donc de Glasgow là, sur le changement climatique va rejoindre la COP 15 sur la biodiversité. On voit bien que les choses sont vraiment extrêmement liées. La forêt amazonienne souffre du changement climatique avec les sécheresses, mais elle-même va être de moins en moins apte à réguler les pluies et va contribuer à d'autres problèmes et au réchauffement climatique. Vous voyez, ce sont des cercles vicieux qui sont en train de s'organiser. Alors pour aller sur des aspects peut-être un peu plus positifs, je sais qu'il y a quand même beaucoup de progrès, notamment dans la science, dans l'agriculture. Est-ce qu'on pourrait imaginer une exploitation, entre guillemets, d'une partie de ce territoire en respectant cette nature ? Ben, ça existe déjà. Les Amérindiens l'ont montré depuis vraiment, vraiment très très longtemps. De plus en plus, il y a des commercialisations de produits de la forêt qui vont sur le marché international. Je ne sais pas si vous, maintenant, là, pour les corbeilles de Noël, vous avez, il y avait les noix, ce qu'on appelait les noix du Pará. Vous avez ça doit s'appeler les noix du Brésil, je pense. Vous avez aussi maintenant il y a un produit qui a beaucoup de succès, c'est l'açaï. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Ce sont des petits baies noires qui sont censées être énergisantes, qui sont vendues comme tonique. Il y a beaucoup de produits qui peuvent être commercialisés. Mais le souci, ce n'est pas vraiment ça. Le souci, c'est est-ce qu'on est dans un monde qui reconnaît le travail de conservation et qui donne une valeur à la nature sur pied ? Il est sûr qu'actuellement, il vaut mieux... D'ailleurs, quand on vend un hectare de forêt en Amazonie, légalement, vous vendrez beaucoup plus cher si c'est complètement déforesté à ras que s'il y a les arbres. Donc, on est dans cette situation-là. C'est vraiment tous les objectifs, toutes les boussoles de nos sociétés qui sont peut-être à revoir. Et vous disiez dans un article récent, comme publié dans la revue Pour la Science, qu'il fallait faire un choix pour l'humanité entre l'agro-industrie et l'agroécologie. Oui, bon, c'est aller un peu vite, mais l'idée est bien ça. C'est-à-dire qu'on assiste, alors là, nos sociétés occidentales, en Europe, c'est flagrant, l'agro-industrie, les rendements à l'hectare, les principes du blé, du maïs, de la betterave, enfin, ouais, tous les rendements sont actuellement, on voit bien qu'ils ont atteint leur maximum, et il y a plutôt une décroissance qui est due à l'épuisement des sols que l'agriculture industrielle fait subir au sol, à la pauvreté de la biodiversité, et
la solution, c'est de plus en plus, en allant d'ailleurs vers des demandes de consommateurs, d'utiliser de moins en moins d'engrais industriels ou d'intrants de synthèse qui ont permis de nourrir la population après-guerre, effectivement. Il faut lui reconnaître ça, mais actuellement, on est arrivé au bout de ce système et de plus en plus des systèmes agroécologiques se mettent en place. C'est pas uniquement de l'agriculture bio, hein. L'agroécologie, c'est plutôt, c'est pas un cahier des charges non plus. C'est vraiment un projet de société. C'est-à-dire, c'est utiliser la nature, toutes les forces de la nature, pour produire. C'est-à-dire, plutôt que de faire confiance à un pesticide, eh bien, on va associer différentes bactéries sur un sol donné pour avoir le même résultat, ce que faisaient d'ailleurs sans doute nos grands-parents. Et un épuisement des sols rendu possible avec les pesticides, alors qu'on n'utilise plus forcément dans l'Union européenne, mais qu'on continue de produire et d'exporter. Hein. Ah oui, ça, alors là, j'ai une petite... Alors ça, Bon, j'avais trouvé ça très très explicite, c'est-à-dire c'est les enregistrements des... Au Brésil, au moins, ils sont francs. Tous les intrants de synthèse, on les appelle des agrotoxiques. Au moins, c'est franc. Et là, il faut donc qu'ils soient enregistrés, qu'ils soient quand même... Il y a un ministère de l'Agriculture qui donne son autorisation pour l'utilisation de tel ou tel pesticide. Hein. Et là, on voit chaque année, là, depuis 2000, le nombre d'agrotoxiques qui ont été autorisés à l'utilisation. Et vous voyez que depuis Bolsonaro, alors là, ça a commencé déjà, mais vraiment, c'est l'éclate. Là, on en est déjà à plus de 500 pour cette année. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que les plus gros exportateurs d'agrotoxiques, la France est pas mal placée, l'Europe est assez bien placée, et c'est assez pervers parce qu'on exporte des intrants de synthèse qui sont interdits en Europe et que finalement on va racheter sous forme d'aliments ou de bestiaux qui vont être importés en France. Vous voyez ? Parce que là, dans les 500 là, qui ont été acceptés jusqu'à présent, il y a plus de la moitié qui sont interdits en Europe. Comment est-ce qu'on peut agir à notre échelle pour essayer de... Si tout le monde devait faire un geste pour essayer de sauver ce qui peut l'être, notamment cette forêt amazonienne, qu'est-ce qu'il faudrait faire en priorité ? Bon, déjà, avoir conscience de ce qui se passe. Je trouve que c'est très important, là, la notion de déforestation importée. Parce que c'est facile d'accuser Bolsonaro. Remarquez, c'est bien, là, il ne faut pas s'en priver si on peut le faire, mais c'est quand même facile de l'accuser alors que c'est quand même tout un système. On a expliqué que la déforestation amazonienne était due aux plantations de soja. Là aussi, notre président de la République a dit ça en janvier dernier. C'était peut-être pas très très heureux. Et immédiatement, Bolsonaro s'est moqué de lui en lui disant qu'il n'avait jamais mis les pieds au Brésil parce qu'il aurait bien vu que le soja n'était pas fait en Amazonie, mais était fait dans les Cerrades. C'était facile de se moquer de lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quand même que quand on importe du soja qui sert à alimenter des bestiaux, on importe aussi de la déforestation, peut-être pas de l'Amazonie, mais certainement du Cerrado. Et avec ça, on importe de l'eau, on importe de la biodiversité, on importe la productivité primaire des terres. Le Brésil, de plus en plus, exporte des matières premières agricoles. Pour un pays qui était parmi les BRICS, là, les pays émergents, c'est plutôt un retour en arrière. Donc, cette déforestation importée, nous, Européens, on a notre part de responsabilité. Vous savez que nous, Français, grâce à l'énergie nucléaire, nous sommes des bons élèves, c'est-à-dire qu'on émet que 6 tonnes de CO2 par an et par personne. Donc, c'est vertueux. Il faudrait être à 4, mais enfin, 5, c'est pas mal. 5 ou 6, c'est pas mal. Sauf que si on prend en considération tous les biens qu'on importe de l'étranger et qui, eux, ont été ont donc déforesté, émis des gaz à effet de serre et autres, eh bien, on double, tout simplement. On arrive à plus de 11. Donc, ça, c'est important. Donc, il y a eu une prise de conscience importante. L'Europe s'en est fait écho. La France était assez pionnière. L'Europe s'en est fait écho. Et on parle maintenant, plusieurs entreprises ont déjà fait des moratoires pour ne plus importer
de matières premières ou d'éléments qui auraient causé dans leur pays responsable de déforestation ou d'émissions de gaz à effet de serre. Alors très vite, on s'est aperçu que ce n'était pas uniquement l'Amazonie. Et la lutte contre la déforestation importée, maintenant, ça s'attaque non pas seulement à la déforestation de l'Amazonie, mais ils appellent ça maintenant la conversion d'écosystèmes naturels. Conversion d'écosystèmes naturels. Et vous militez aussi pour qu'on évolue sur les indicateurs qui nous permettent de prendre en compte la destruction dans l'environnement, dans nos modes de vie. Oui, alors moi je suis économiste et ça peut paraître un peu bébête de critiquer le produit intérieur brut, mais bon, vous savez que ça mesure les richesses produites par l'homme. C'était quelque chose qui était utile. C'est un vieil indicateur, hein, il a plus de 75 ans, hein, ça date de l'après-guerre. C'était vraiment pour mesurer les augmentations de richesse, mais qui ne tenait pas compte de tout ce qui n'était pas marchand, hein, c'est-à-dire le travail domestique, par exemple, le travail des femmes, hein, c'est toujours pas pris en compte. Le bénévolat, c'est pas pris en compte. Enfin, tout ce qui n'est pas marchand n'est pas pris en compte. Et surtout, les atteintes à l'environnement ne sont absolument pas prises en compte. C'est-à-dire que quand vous détruisez un hectare de forêt, eh ben, c'est gratuit. Quoi. C'est une externalité, donc c'est gratuit, ça n'apparaît pas, votre balance est positive. L'exemple qu'on donne toujours, c'est que quand il y a une marée noire, eh ben, c'est très bon pour le PIB parce qu'il va monter, parce qu'il va y avoir des frais de dépollution des plages. Oui. Et là, le PIB monte. Donc, on s'aperçoit que ça ne peut plus fonctionner. Donc, de plus en plus, on est en train de réfléchir à une comptabilité verte, hein, c'est-à-dire une comptabilité qui prendrait en compte ce qu'on appelle les actifs naturels. Mais là aussi, j'aime pas trop ça parce que on fait l'analogie entre le capital naturel, le capital social, le capital financier. Et les tenants de l'économie de marché expliquent que détruire un hectare de forêt, on peut le compenser par le prix de l'hectare de forêt en question. Il y a cette compensation avec l'idée que notre génération peut détruire ce qu'elle veut parce que nos enfants seront beaucoup plus riches et auront beaucoup plus de techniques et donc pourront mieux sauver ou restaurer cette biodiversité perdue. Voilà. Bon, ça, c'est, si vous voulez, ce sont les légendes qui parcourent les chambres, enfin la Chambre des députés et le Sénat. Je voudrais revenir au Brésil avec une dernière question, peut-être plus politique. Vous connaissez ce pays depuis très longtemps. Vous l'avez vu évoluer. Alors ces dernières années, on a assisté à un détricotage. On l'a vu. Vous l'avez analysé. Des institutions qui s'occupent de l'environnement, mais le détricotage, il a été beaucoup plus large. Comment vous voyez la reconstruction de ce pays dans les prochaines années? Alors que la population est extrêmement, extrêmement polarisée. Bon, les outils techniques, on est même en très bonne position, enfin en bonne position là. Tous les outils sont là, les lois sont là, elles sont en train d'être détricotées. On peut revenir en arrière. Actuellement, il y a deux lois qui sont soumises au Parlement. On appelle ça justement la loi du grillage, des petits grillons. C'est-à-dire que c'est une loi qui permettrait à quiconque jusqu'à 250 000 hectares, vous voyez, de faire de l'autodéclaration en disant voilà la carte, ça c'est à moi. Et ce serait entériné. Ça, c'est quelque chose de vraiment très, très grave. De la même façon, mais ça, on peut revenir en arrière. Ce qui est plus embêtant, je trouve, que c'est les attaques qui sont faites actuellement aux terres indigènes, où les sociétés amérindiennes ne sont pas organisées de façon à pouvoir être unies pour résister. Et à partir du moment où il y a le droit pour de louer des terres ou de les vendre, il y a des sociétés amérindiennes qui vont accepter ces échanges. Donc, et revenir en arrière, là, ce sera sans doute beaucoup plus difficile. Et la société, vous le sentez, la polarisation dans la société brésilienne? Ah oui, ça c'est très, très... on l'a un peu ici aussi, non? Je pense que c'est quelque chose qu'on voit au niveau international. Mais c'est vrai que la cote de popularité de Bolsonaro est en train de décroître fortement. Celle de Lula est en train de monter.
Est-ce qu'il y a vraiment un projet de société derrière? On peut en douter. Le côté positif, je pense, c'est ce qui s'est passé à la COP climat de Glasgow, où le Brésil a repris des engagements. Bon, il a un peu triché. En fait, il a ressorti des engagements de 2015, exactement les mêmes, sauf qu'il a un peu triché en revoyant la ligne de base de l'année de référence où il voulait le faire. Mais il y a eu quand même des choses importantes. Ils ont, par exemple, accepté... Ils ont voté cette résolution sur les forêts, disant qu'ils allaient arriver à zéro déforestation, sachant qu'en 2014, ils avaient refusé de voter la loi aux Nations Unies, justement une déclaration des Nations Unies sur les forêts. Le Brésil avait refusé. Dans sa contribution volontaire à la Convention climat, il avait proposé aussi zéro déforestation illégale et zéro déforestation légale nette, c'est-à-dire qu'il y a quand même la possibilité de compenser, c'est-à-dire qu'on déforeste mais on peut replanter et donc on arrive à neutraliser. C'est déjà quelque chose d'avoir rejoint le groupe des États qui s'engageaient sur cette déforestation, qui s'engageaient à sortir du charbon. On remarque, lui, ça ne le trouble pas tellement, il n'y a pas de charbon. Sur l'utilisation du méthane, ça peut être plus important. Voilà, donc là, il faudrait parler vraiment plus à un politologue pour qu'il puisse mesurer les forces sociales qui sont derrière Bolsonaro ou Lula. Mais ce qui est sûr, c'est que Lula avait une fibre plus sensible pour l'environnement. Mais c'était aussi une autre époque. C'était une époque où on était très sensible à l'environnement. Peut-être que ça va recommencer. Eh bien, merci beaucoup, Madame Haubertin, d'avoir nous avoir éclairé sur la situation de ce qui n'est pas le poumon vert. Hein. Mais c'est important. Alors, on va prendre des questions du public, s'il y en a. Merci pour votre conférence. Ce n'est pas vraiment une question d'économie que je vous pose, mais je voudrais savoir ce que vous pensez de l'action qui a été celle de la FUNAI et oui. De ce que devient la FUNAI actuellement. Oh là. Oui. Merci. Si. Je réponds maintenant ou... Oui, allez-y. Ouais. Oui. Bah, la FUNAI, donc, c'est la fondation de l'India. Hein. C'est donc une fondation qui... Enfin, une fondation, c'est un organe public qui gère les terres indigènes et qui s'occupe de la santé des populations, qui essaie de faire un rôle tampon, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se promener, il faut des autorisations pour aller dans des terres indigènes, car les gens de l'extérieur apportent toujours des pathogènes qui peuvent être fatales pour ces populations. Dès que Bolsonaro est arrivé, la FUNAI n'a pas été... Il voulait carrément dissoudre la FUNAI. Elle n'a pas été dissoute. Elle a cependant changé de directeur. On a mis tout de suite un militaire à sa tête. Actuellement, l'idée, c'est qu'elle n'ait plus son mot à dire dans des histoires de démarcation de terre, parce que c'était la FUNAI qui faisait préparer les dossiers pour les démarcations de terre. Les démarcations de terre, c'est des terres indigènes, ce sont des gros dossiers qui sont généralement faits par des anthropologues de la FUNAI qui expliquent que ces groupes culturels amérindiens avaient leur territoire sur telle ou telle, sur une certaine superficie, et donc qui aident à faire ces dossiers pour les démarcations. Évidemment, Bolsonaro, dès qu'il a pris le pouvoir, a expliqué qu'il, lui, le président, il n'y aurait plus une seule démarcation qui serait réalisée. Évidemment, ça gêne un peu les choses, et il n'a de cesse de retirer du pouvoir à la FUNAI. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est un peu la même chose qui est arrivée avec l'IBAMA, donc la police environnementale, avec l'ICM Bio, qui est l'institut qui s'occupe des unités de conservation, avec la CONEMAS et avec les conseils environnementaux des populations, etc. Une autre question ? Pas d'autres questions ?
Bon, ben, je vous remercie et puis on vous donne rendez-vous en janvier pour de nouvelles conférences. Il y aura notamment une conférence dans laquelle on invite Laurie Kenton, qui est un grand spécialiste des États-Unis, qui viendra, je crois que c'est aux alentours du 20 janvier, qui viendra nous faire un état des lieux un an après l'arrivée au pouvoir de Joe Biden. C'est un chroniqueur sur France Culture. Je vous recommande chaudement d'être là. Et puis d'ici là, bonne fin d'année. Voilà, merci. Merci. Thank you.